Vous avez des tonnes d'exos, etc. Donc c'est assez complexe quoi au niveau des prix. Ouais, alors par contre, quand j'ai voulu acheter mes panneaux aventuriers et que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'amulette en HDV, j'ai un peu... Ah, Ah, le ça match est c'est. parti par contre. Ouais, On va t'inquiète, s'arrêter je là. suis dedans. Alors, attends, je regarde juste si j'ai les bonnes. Corrupt Kakak, c'est Scandalf. Scandalf, il est en bleu. Évidemment, j'ai pas les bons trucs, j'en étais sûr. Bon, je modifie ça Ouais. rapidement. Tac. Ouais, bon, évidemment, c'est un peu à Un la peu plus zone, gros. donc je vous fais ça, hein, mais bon. J'avoue Du coup, que. alors j'imagine qu'il y a une corrupte, là je vois pas le Xel jouer. Voilà, le Xel s'est fait corrupte tour 1, ça c'est pas Ouais, mal. on en avait parlé Et en du plus, hein. coup, ouais, on va placer des invocations. Ça crit. Chasseur lancier, bien joué. Et il donne les PA. Alors qu'il était au corps à corps du Kra. Alors, du coup, Shoka qui va certainement corrupte lui aussi tour 1. Il peut aller chercher le panda s'il veut. Il a juste à se reculer d'une case. Voilà, ici, il va sûrement corrupte le panda. Voilà. Ouais, on en avait parlé, hein. C'était les deux cibles de choix, je pense, avec les Kaflip au cas où du côté de la team. Oh, on arrive à debuff le Kra, c'est très bien ça. Il Ouais, perd ça c'est important, ouais. le déplacement félin, la piqûre motivante et l'euphorie malsaine. Il perd 2 PA, 4 PM là. Le contraire. 2 PM, 4 PA. Alors, on va sûrement charger une flèche peut-être pour Yogovic vu qu'on se recule du fight. Donc on a une bonne zone flèche ralentissante. On arrive à quelques PA quand même. Et on met un petit œil de taupe en zone. Bon, l'œil de taupe qui est pas lancé pour l'APO, hein, ça c'est clair sur cette map. Alors, Bah ouais, Daka. on va dire que c'est pas c'est pas Ouais, ça va oufissime pas trop quoi. les handicaper. C'est plus pour faire un peu de dégâts pour 3 PA avec une belle zone. Normalement au niveau de la scène ça devrait être On a une. bon, n'hésitez pas à Ah, me il veut dire au pas cas la où. prendre. Il avait une belle ligne. Donc, on préfère taper à la steak. Une Aztec pas FM qui tape neutre. On avait une belle ligne griffe-joueuse là. On aurait peut-être pu la prendre. On a préféré taper à la steak et ça a crit. On a fait des bons dégâts en kick un PA. C'est pas mal. Alors, la maladresse de masse qui a été lancée et qui va faire beaucoup de mal à cette équipe rouge, donc Bilby. Ah, on décide quand même de jouer la distance côté Bilby. Donc, on met ce petit tir éloigné pour contrer l'œil de taupe, c'est assez étonnant. Et on en met un à son tour. On va essayer de. Ouais, c'est assez étrange. D'autant plus que c'est eux qui ont intérêt à jouer au corps à corps, plus que Corrupt Kakak avec leur EK. Mais je pense qu'on veut pas trop rester autour du panda. On veut empêcher le panda de pouvoir faire absolument ce qu'il veut. Voilà, normalement la scène doit être mieux, je suis désolé. Alors. Petite cucri cucra sur cette tenue qui tape quand même qui tape pas mal. Des petits crits à 200, Ah à ouais, 400. sur un énu là, Kukrikura. Après, c'est vrai qu'au niveau des res neutres, on est sur des res qui sont. À part le Kra qui est vraiment bien. Ouais, d'ailleurs c'est étonnant. En plus il a un Chrome, donc c'est certainement un Chrome neutre. J'ai du mal à comprendre. On pense peut-être que Jugovic doit jouer avec des dagues, peut-être des dagues graisseuses qui tapent neutre. En tout cas, au niveau des boucliers, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est qui a les boucliers? C'est le Xelor et l'Osage, j'imagine, peut-être? J'arrive pas à voir. Non, c'est l'Enu. Je vois pas ce que c'est d'ici. Ah oui, c'est les nus, ouais, t'as raison. C'est les nus, c'est les Vu nus. qu'il est de dos, je vois pas lequel. C'est le bouclier à cornes, je sais pas. Alors, on va mettre une résistance naturelle sur le sac. On met le Doppel. On reste bien placé pour donner les buffs du Doppel au Yop. C'est bien joué. Ouais, le Doppelosa, qui comme d'habitude booste Losa et tout ce qu'il y a autour de lui évidemment, et après qui fait des petits lancers de corbeau qui sont pas forcément très très forts en termes de dégâts, mais bon. Non, mais bon, c'est surtout ouais, pour les buffs, le Doppel Osamda reste toujours intéressant quand il met des petits déplacements félins et des cris de l'ours. Et là l'écrasement qui a donné du coup 10% si je dis pas de bêtises. Ah non, 15%? Ouais. Voir c'était ceux Non, d'avant non, peut-être? c'est 10%, c'est 10%. Ah oui, voilà, il me semble bien, ouais. C'est juste que c'était pas à jour.
C'est 5% par coup. Pelfanto qui est pas passé en tout cas pour le moment. Lénu qui a encore... attends, what? Ah oui, non, d'accord. Okay. Il y a encore 8 PA. On met la maladresse de masse à son tour. Est-ce qu'on a touché le Yo... le Kra? Je pense que tout le monde a été touché là. Ouais, tout le monde a été touché. Ouais, tout le monde est touché. De toute façon, sur cette map, à mon avis, tout ce qui est zone, genre vent empoisonné, etc., ça doit toucher à 100%. Oui, quoi. C'est clair. C'est vraiment la map, il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine de cases si on faisait la largeur en longueur, quoi. 14. Oh la belle zone là. Oh, ouais, très belle zone. Belle zone ralentissante ici. Ouais. Et ça fait pas trop de dégâts, mais ça ralpe un petit peu. C'est ouais, pas, puis ça tue le sac au final, hein. c'est pas négligeable. Les dégâts sont assez corrects. Mais surtout, on enlève des PA. Bon, alors là, on a cette roulette. 3 PA uniquement pour sa team, ça fait une très très bonne roulette. Ah là là, là il doit être content. Ouais. Daka qui doit être très content. Bah d'ailleurs, Daka qui, si je ne m'abuse, était les Kafib qui arrêtaient pas de donner des belles roulettes à Esketouyang, il me semble, sur le match de mardi dernier. Enfin, d'il y a 2 jours. Il me semble aussi que c'était lui qui avait pas trop de chance sur ses roulettes, effectivement. Alors, Hashirama, on va voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement aller debuff, hein. C'est vrai qu'on peut debuff le Xel, c'est très intéressant, mais il y a aussi le Kra aussi, tant qu'on y est. Ok, on met le Panda Wasta pour gêner Shoka. Ok, le debuff qui passe du premier coup sur le Kra, là, c'est très bien. Ouais, sur les deux, parfait. Ouais. Et là, est-ce que... Ah, je pensais qu'il allait... Ah oui, il y avait que 12 PA, d'accord. Je pensais qu'il allait essayer de ce genre de renvoyer les. De mettre Fsa et Eros au niveau du Panda Wasta, mais non, il a peut-être pas eu le temps, ou alors il lui restait pas assez de PA, j'avoue que j'ai pas fait attention. Bon, ouais. Il avait sûrement pas assez de PA parce qu'il lui en aurait fallu 5, mais ouais, il me semble qu'il en lui restait quelques-uns. Là, on kick les PM un peu partout, là, du côté de FSA. Belle zone ralentissante, mais qui fera vraiment 0 dégâts, mais heureusement, elle fait perdre quand même dégâts, des PA. On voit que FSA est a moins de chance au niveau des stats que Jugovic. Ouais, alors que pourtant, il a 131% et... au niveau des on n'arrive pas à debuff Steka. Ok, ah, ça passe. C'est bon. Ah, ça va faire mal, ça. Hein. Les K qui étaient full et bust, coup, et là, full boost, pardon. Et là, il se retrouve à poil. Ouais, et du coup, en très peu de temps, on arrive à debuff le Kra, les K et le Xelor. Et du coup, Bilby qui se retrouve un peu tout nu. Suzel, du coup, qui n'a même pas son dévouement. Bah, surtout qu'il a même plus contre et protection aveuglante, je pense. Non oh, le vol du temps qui passe pas. Ça fait très très mal. Ah, là, c'est le cauchemar d'Exel, ce sort, quand il passe pas. Mais tu sais que, quelquefois, moi, avec mon Exel, j'hésite vraiment à vol du temps parfois. Hein, parce que. Tu utilises 4 PA, et si ça passe pas. Bah, déjà qu'en plus, si ça passe, tu peux gagner que 2 PA. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Mais si ça passe pas, mais tu te fais. Voilà, t'as juste le seum, quoi. Bah, t'as 4 PA qui ont servi à rien. Ouais, c'est ça. Et 4 PA, ça peut faire beaucoup de choses hein, sur un Xelor. Ouais, bah, vu que 90% de ses sorts coûtent 1 PA. Tout comme le panda d'ailleurs. Ça, c'est bien joué par contre. Ouais, la cavotte qui est très bien placée. Ouais, joli de la part de Capi, là, ça va forcer Shoka à clean ce Wasta. Ouais, c'est très malin de l'avoir mise maintenant parce que si on l'avait mise plus tôt, on aurait pu la bouger vu que Eros aurait joué avant. Mais là, il la place juste avant le tour de Lénu. Donc Lénu qui a pas pu se faire dégager par ses alliés, il va être obligé de se débrouiller tout seul. Il va sûrement perdre un tour complet sur ce Wasta. Attends, il a toujours pas placé l'euphorie Malsen, le Schaffer. Il se l'est fait des buffs. Ah oui, d'accord. Ça semble. Parce que je crois que sur lui-même il l'a. Ah non. Attends. Alors que va faire Shoka du coup? Alors on désinvoque. Alors il est pas agi du coup, ça c'est sûr. Ouais, très peu d'agi. Vu les dégâts qu'il a fait. C'est vraiment dommage de pas jouer agi avec un ennemi quand t'es contre un Osa. Ouais, et puis un panda aussi, hein, parce que là vraiment le Wasta. Comme tu disais l'autre fois, c'est quand même une des meilleures invocations du jeu. Ça a un très bon pool de PV. Ça a 35% all, donc c'est quand même très tanky de base aussi. Et là, c'est vrai, bah regardez, hein, il a passé son tour sur le Wasta et il a tapé un petit peu le panda, hein, mais qui est full résistance vu qu'il est sous picole, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ouais, du coup, les ennemis, n'hésitez pas à jouer R quand vous êtes contre des classes avec beaucoup d'invocations, parce que non seulement votre désinvocation est très forte,
Mais en plus, vous pouvez les détacle, et ça, c'est intéressant. Et du coup, c'est la roulette passe-tour. Non, non, c'est roulette... juste pour l'équipe adverse. Donc ça, ça fait bien leur... ça fait bien... Ah ouais, par contre, les récopes, là... Ouais, les récopes ne passent pas. Mais en tout cas, Daka, oh, qui est très chanceux sur ses roulettes. Bon, sur ses récopes, c'est une autre histoire. J'avoue que là, c'est... c'est complexe, là. En tout cas, Hashirama qui a eu de la chance, hein, en tout cas, parce que son... Comment ça s'appelle ? La roulette qui est passée sur un moment où il allait jouer juste après, donc bon, il a pas pris la sauce par tous les autres joueurs de la part chez Bilby. Chez Bilby. Oh la Kawat, ah ouais, on a vraiment gêné tout le monde là en fait. Ok, bah très bien. Et du coup le crack il va perdre beaucoup de PA là-dessus. Ouais, il va être obligé d'Aztec deux fois. Ouais, bah de Oh là là, elle survit à 36 PV. Bon, il peut mettre une petite IMO, ça suffira. Ouais, mais bon. Et voilà, il lui reste que 4 PA. C'est un tour qui est complètement absorbé en fait par cette KOT. Ouais, il va 5 glands de Capi, mais bon. On est sur une map CAC, hein, donc bon. Est-ce que ça va vraiment gêner Capi qui est déjà en plus au centre de la map? Non, clairement pas. Et en fait, je trouve ça très étonnant que Bilby ait refusé le combat au corps à corps. Et du coup, maintenant, ils sont totalement... ils sont enfermés, en fait, du côté de la map. Et je pense qu'ils auraient pas dû chercher à jouer à distance. Ils auraient dû rush avec leur EK. Parce que là, du coup, avec les invoques de Lossa, ils ont plus d'espace autour d'eux. Ils sont totalement coincés contre le mur. L'appel fantôme qui passe. La deuxième aussi. Ah, j'avais pas vu, mais les restes de ce Xel sont plutôt colossales, hein. Ouais, il a des belles restes, le Xel, c'est vrai. Ah, vol du temps qui passe, ça c'est cool. Ralentissement qui passe aussi, mais seulement à 2 PA. Ok, là on a bien ral sur le... Ah oui, là, c'est... ok, d'accord, ouais, là c'est bon. Je crois qu'il est lancé, là, Eros, là, hein. Il en a eu marre. Là, il a ral toute la team, ils sont tous en dessous de 10 PA presque, sauf sous Scandalf, parce qu'il était un peu loin. Il faut dire qu'ils viennent tous de se faire des buffs, donc forcément ça aide aussi. Oui, ça c'est sûr. Après, ça a enlevé du coup toutes les faiblesses du cadran. Bon, ce cadran du coup qui va tomber. Ouais. Est-ce qu'on focuserait pas... En vrai, là, ce qu'il y a de bien pour du côté de Corrupt Cactac, c'est qu'on a Daka qui a pas beaucoup de PV, qui est un peu à l'écart. Et Eros qui aussi n'a plus beaucoup de PV, qui est à l'écart. Donc, est-ce qu'il focuserait pas un des deux là actuellement? Parce qu'en plus, Shoka, il va devoir encore passer son tour, je pense, à essayer de clean ce Wasta. Ouais, on prépare la maîtrise du bâton du côté de Capi. Est-ce que tu crois que c'est un bâton qui fait des dégâts ou un bâton qui heal? C'est peut-être le Thanos, effectivement. Je sais pas s'il est lié d'ailleurs sur cette version, le Thanos. Il me semble que si. Mais ça m'étonnerait effectivement de voir Capi jouer un corps à corps à dégâts vu que la dernière fois il jouait au marteau Ronto. Non, c'était pas Loza du Esquietouillant qui jouait au. Je crois c'est vrai. Ouais, on confond Osa, je crois. Ouais, je crois que je confonds les deux Osa, effectivement. Bah écoutez, hein, regardez, hein, Swasta qui va faire le taf pendant 3 tours au total, je pense. Parce que, 314 PV, à part si du côté de Bilby, on souhaite évidemment tuer le Wasta à la place de l'Enu pour l'aider pour le prochain tour. Mais là, en tout cas, c'est sûr, le Wasta aura été très très utile. Ouais, c'est étonnant que... Ouais, mais c'est vrai que FSA, il était coincé à cause de la KOT. Du coup, il a pas pu sauver son Enu. Au tour d'avant. C'est pour ça qu'il est toujours coincé. Alors là, j'en ai aucune idée, Jassim. Je me dis que peut-être, si c'est du heal, peut-être que ça augmente le heal, peut-être. Je sais pas, j'avoue que... C'est vrai. C'est une bonne question, j'avoue que ça, j'y connais rien. Je sais qu'à un moment, sur Dofus 2, c'était le cas. La maîtrise augmentait les soins, et c'est vrai que sur cette version, je suis pas au courant, mais il me semble que si, quand même. En tout cas, Daka qui fait une bonne opération, là, il a mis un petit coup à Scandalf, et il l'a mis en libération à l'autre bout de la map. Qu'est-ce qu'on va faire du côté d'Arishisharam? Oh, il y a encore On continue, hein. Non, ah, franchement... On a pas de Xel, mais c'est l'équivalent, quoi. Ah bah là, clairement... En plus, Schaffer, bon, ça a 30% all quand c'est level 6, donc dont 55% en neutre. Ouais. Après, là, il peut juste libé, quoi, alors que la Kawat, il pouvait pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ah mais ça utilise quand même 3 PA et en plus tu fais quand même des dégâts. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, est-ce que utiliser 4 PA pour ça c'était worse? Aucune idée. Bah je pense qu'il a un peu peur de gaspiller le CD de Silibé aussi. En tout cas, depuis tout à l'heure, Shirama il a peut-être pas beaucoup de PA, mais en tout cas il arrive à s'en sortir. Il arrive en tout cas à faire le taf. Et Eros qui est pris à partie par Yugo là depuis tout à l'heure. Il a la moitié de sa vie là, il est un tout petit peu en dessous même d'ailleurs je pense. Ouais, on a clairement décidé de focus Suxel. Côté il va faire Scandalf. Scandalf qui a 2200 HP. Ok, merci Feng. Merci pour les informations. Et ouais, le Thanos ça me disait rien donc je me suis... Dans ma tête, je me disais que ça devait sûrement pas exister. J'ai trop jonglé entre les versions, je sais plus ce qui existe et ce qui existe pas. Ouais, je vois ça. Oh, c'est bien joué ça. Daka qui se retrouve au corps à corps de Capi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Capi s'est maîtrise des bâtons, pardon, tout à l'heure. La libération pour faire que Yugo soit totalement bloqué. Enfin, en tout cas, à l'autre bout de la map. Après, bon, c'est un cra, hein, donc on va pas se mentir, hein, c'est pas très très grave. Hein. La modification qui est lancée, le dévouement aussi, on passe à 15 PA pour... et on râle... Oh, on a fait un bon râle PA là sur Capi. Il a 11 PA. S'il est au bâton champ manique ou City, il a au total 2 essais du coup, en termes de dégâts. Et je pense que c'est ce qu'il va faire du coup. Ok, on fait un petit crack. Ah ouais, bah peut-être pas en fait. Hein. Ok, bah on s'en fout. On bloque juste Daka. Ouais. Le crackler qui va aller directement sur ça. On booste un peu. C'est vrai que les invoques sur une map aussi petite, ça devient vite insupportable. Bah ouais, là c'est là que tu te dis, t'aimerais bien avoir un Oza de côté. Hein. Et un NUR surtout. Hein. Oui, un NUR aussi, exactement. L'autre crackler, est-ce qu'il... Non, il peut atteindre personne ce crackler par contre, l'autre, le deuxième. Le chauffeur qui... Ouais, ok, qui va taper sur Eros qui est en modification, donc autant dire que ça ne fera rien du tout. Du côté de Shoka, bah écoutez, on est encore bloqué avec ce Wasta, hein, on va devoir le tuer avec nos invocations. C'est bien joué ça. On a 10 PA encore, qu'est-ce qu'on peut faire? En plus on a 9 PM, hein, donc là on peut potentiellement aller taper quelqu'un si on a envie. Et c'est ce qu'on va faire j'ai l'impression. Hein. Est-ce qu'on a un marteau? Non, ok, on va désinvoquer le bouffe-tou. Est-ce que ça enlève l'état pesanteur du coup? Normalement non. Ok. Petit coup d'Aztec avec la maîtrise juste avant. Du coup, Scandalf qui se retrouve en dessous des 2000 PV. Il a la moitié de ses PV. Côté d'Hugo, on va complètement laisser Daka sur place hein, avec ses 0 PM. Et du coup, on aura la réponse. Savoir si tuer le bouffe-tou enlève l'état pesanteur. Ouais, si Feng, tu es toujours là, je pense que oui. Ou même une autre personne, hein, évidemment. Peut-être qu'il sait la réponse. Mais je pense que... Daka va nous le dire, puisqu'il a pas d'autre choix que d'utiliser des bandes du félin. Oui, oui, c'est vrai ça. C'est vrai que Daka peut faire ça. Alors, 3 PO, ah. Bon, et bien finalement, non. Finalement, il en a pas si besoin que ça. Ok, alors Feng dit que tuer le bouffe-tou enlève l'état. Ok. Ok. Ben, merci pour l'info. Et on va tenter des recopes ici, ça passe. Et non. Bon, 1 sur 3, ça passe pas tant que ça. Ouais, c'est dommage parce que là, en vrai, on se retrouve un peu... Est-ce qu'on peut faire une bail zone, là, pour le panda? Non, on va mettre Shoka de l'autre côté. Ouais, à mon avis, il va surtout aller... il va virer la pelle et aller sur Eros pour le debuff. Ok, on tape Daka. Ah non, même pas. C'est assez étonnant. Oh. Ah bah, c'est le panda qui heal dans la team. Ok. Et du coup, c'est avec un bâton? Ouais. Oui, c'est pas le non, c'est pas le Ramboton. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce bâton. Lux l'avait utilisé pendant le tournoi des Rats il y a un mois. Ça nous avait surpris d'ailleurs. Et non, le Ramboton, c'est le Agog. Bâton. Ouais, voilà, c'est le bâton Agog apparemment. Ouais. Donc le Ramboton, c'est le fameux bâton à deux de portée qui a été donné du coup à. Oui, c'est ça. Ouais, je confonds à chaque fois, mais. Le premier niveau de son du jeu. Oui, c'est ça, c'est la racine. Attends, quoique, non, je crois pas. Hein. Non, c'était pas une baguette puisqu'il était au corps à corps. C'est pas le Agog, hein. Ouais, c'est pas le Agog, mais du coup, je sais pas.
Ah, la corrupte qui est revenue, c'est vrai. Et en plus, on débuffe ce Xelor. Ouïouïouï, je sens que ça va faire mal ce tour-ci. Hein. Parce que regardez, hein, on a l'ennemi qui vient de faire son tour, c'est le premier qui jouait. Là, il va. Le Xelor va passer son tour et c'est au tour de Capi. Et Capi, il a 13 PA. Donc, il y a moyen qu'il fasse un peu mal là. Il peut atteindre ça, en tout cas, au niveau des bâtons. Ouais, après, je pense qu'on a plutôt envie de tomber ce Xel actuellement. Est-ce qu'on peut bloquer Doka pour l'empêcher d'utiliser sa Corrup à son tour? Ouais, est-ce que... Ok. Ouais, c'est bien un champanique sur ouais. Capi. Ouais, et il a fait très très mal. Hein. Ça qui était à 2600 HP à peu près, qui se retrouve en dessous de la barre des 2000 HP là. Et là, ça devient critique un peu hein, pour Bibi pour le moment, parce qu'on a réussi à faire quelques dégâts sur Scandalf et sur Yugo. Mais on a quand même Capi et Hashirama qui sont très très bien. Hein. Ils sont encore au-dessus de presque de 4000 HP pour les deux. Alors que du côté de Bibi, bah, pour l'instant, on a un peu du mal. Hein. Ouais. Le focus est pas très bien dessiné du côté Kurub Kakak, mais on enlève beaucoup plus de points de vie que les adversaires. Et là, du coup, on a trois cibles potentielles qui sont mid-life. Ouais, et on va corriger Hashirama, c'est bien joué. En plus qu'il avait pris les PM du déplacement félin. Est-ce qu'on va tenter de le debuff quand même? Non, on va préférer debuff Capi. Ok. Et je dis moi qui enlève un PM, mais bon, ça suffit quand même à Yugo pour pouvoir aller taper cet écart. Oula! Eh, oh, mais tu sais qu'en vrai, là, il faisait 3 crits, il y avait peut-être moyen que Daka mourait, là. Ouais, ah, roulette soin. Ah, roulette soin. Donc, on en parlait tout à l'heure, effectivement, c'est bien des resseuses neutres pour Yugovic. C'est pour ça que. Non, c'était qui? Je sais plus qui. Ah oui, c'était. FSA qui a beaucoup de reses neutres et on met des bons coups d'Aztec là. Ouais, bah là du coup on a Yugo qui passe en dessous des 2000 HP lui également. Et Daka qui va essayer de partir très très loin. Ouais, et on a mis la chance d'Eka qu'il va falloir débuff cet Eka si on veut continuer de le focus. Ça, qu'est-ce qu'il va faire? En vrai, il peut taper Yugo à ça lui aussi, hein, surtout qu'on a le Xelor qui va jouer juste après. Ouais. Ok, 8 de top. Oh les... oh, les bonnes destructrices là, ça fait mal. Je suis étonné du mode terre sur cette map hein, pour un Kra. Bah ouais, surtout que la punitive c'est un peu loin quand même, la PO. Ouais, mais c'est 6 minimum. C'est 6 minimum, ouais. Et la destruit un de moins. Ça reste quand même des sorts que tu peux pas mettre au corps à corps. Ok, c'est la chance qui servira à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté Scandalf? En vrai, Scandalf il a encore sa maîtrise de. Non, il a plus sa maîtrise d'AP. Il peut peut-être mettre deux coups d'Astak Aeros qui a plus rien. Ok, on met une maladresse. Ah non, c'est vrai, c'est des Kukrikura, pardon. C'est vrai. Ouais, du coup, c'est 4 PA. Ouais, après, il a 29% quand même. Ouais, effectivement. Cet Aeros de jouer, il va. Est-ce qu'il a libé tout à l'heure? Il me semble que oui. Il me semble aussi, ouais. Mais normalement, il a dû le re. Ok, on préfère se téléporter. On préfère TP. Okay. Oh là 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 là. Aïe. Ça fait deux fois qu'un vol du temps ne passe pas du tout et ça c'est vraiment horrible pour un Xelor. Ouais. Ouais, parce qu'en plus on sait là, hein, Yugovic qui joue avant Daka et Daka n'a plus de chance d'Eka Flip donc là il faut essayer de tenter de. Ouais, de. Ah, par contre, est-ce que ça c'était. Ouais, non, remarque si c'est vrai qu'il joue en dernier donc. Après, ouais, focus assez... Yugo alors qu'on a un osage, je sais pas si c'était vraiment la bonne chose, hein. À faire, hein. C'est clair, je suis d'accord avec toi, mais faut avouer que cette Tossa il est quand même encore trop bien pour qu'on puisse le focus. Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu justement focus Loza dès le début de la partie, quoi, malgré les raises impressionnantes qu'il a. En fait, c'est ce que Bilby aurait dû faire, mais comme je l'ai dit, c'est un peu étonnant, ils ont préféré fuir le combat et essayer de chercher le jeu à distance sur cette map. C'est assez étonnant, alors que bah, clairement le jeu au corps à corps est à leur avantage. Ouais, le crackler qui va venir gêner l'autre crackler, mais bon, après c'est pas très grave, il peut quand même. Ok, on va essayer de debuff Yugovic du côté de Shoka. Et ça passe au bout de la deuxième, ça on a passe. Plus de 5 PA. Ouais. Ok, on fait des maladresses pour éviter qu'il aille au corps à corps de Daka, mais est-ce qu'avec 13 PA, ouais, il n'arriverait pas à finir Daka? Moi je pense que si. Ouais, il a une. Il peut mettre sa flèche dispée et aller au corps à corps.
Oui, ouais, mais oui, c'est vrai qu'il peut, oui, il peut faire ça. Il peut faire ça, en effet, encore. Ok, oh, bon, ça c'est bien joué. Ouais, bien joué. Après, je pense que ça change pas grand-chose. Hein. Ouais, il a une belle diagonale là, sur il Naka, a 11 quand même. PA, il peut faire deux destructrices, ou une punitive et une destructrice. Enfin, il fait ce qu'il veut, quoi, là. Voilà. La puni qui passe en crit. Ouais, ça résiste elle bien, quand même. Elle était pas chargée. Elle était pas du tout chargée. Une cinglante, peut-être. Du coup, il n'arrivera pas à la tuer. Oh. Bon, après, on a 60 PV et on a 0 PM hein, du côté de Daka, donc. Oh, la roulette force. Je pense que là, Jugovic, l'aurait voulu ça tout à l'heure. Après, là, c'est que pour la team. C'est que pour sa team à Daka. Ah, oh, les recopes qui passent vraiment pas aujourd'hui. Hein. Oh. Oh, c'est attention. Le dernier pass. Oh. Et le dernier pass. Okay. Ok, bien joué à lui. Bien joué à lui, mais bon, on en a parlé. Hein. Capi qui peut le revive dans pas très longtemps. Ouais, surtout qu'on tue un personnage qui vient tout juste de jouer, donc on ne pourra pas lui enlever un tour, vu qu'il va se faire raise de suite. En tout cas, merci à vous, vous êtes plus d'une centaine à regarder le live, ou en tout cas à l'écouter. et merci à tous ceux qui se follow, évidemment, on vous remercie énormément pour ça. On est très actifs, donc n'hésitez pas évidemment à suivre. Notamment, il y a un deuxième combat juste après celui-là, à 22h, sur le même tour. Effectivement. Ouais, la roulette force en vrai, ouais, qui a bien aidé hein, sur les dégâts ouais. Terre. Bon, là, on peut pas les voir parce que. Voilà. Mais bon, il avait quand même des grosses. Après, il restait que 159 PV sur Jugovic. Donc, c'est normal qu'il soit mort avec 159 PV en terre. La dispé qui est utilisée du côté de FSA. Ok, la ralentissante dans la belle zone. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Là, ça peut clear quelques. Ah, il peut mettre une autre là. Il faut essayer. Si on arrive à tomber ces craqueurs, c'est pas mal. Parce qu'il commence vraiment à être très gênant. Ouais. Et puis, regardez, c'est beaucoup de résistances qui peuvent partir du côté corridor. Bon, là, tu mets quoi une petite roulette Non, un petit lancer de pièce, il a raison. Ouais, par contre, Eros, je crois que. Ouais, il va prendre très très cher. Ouais, après, il joue juste maintenant. Alors, il a plus de TP, il a utilisé sa TP tout à l'heure. Il peut rollback, mais c'est pas intéressant de rollback parce que toutes les invocations sont du côté de Bilby. Ouais, du coup, puis... c'est du 3v3. Ouais, je pense qu'on va essayer de râle peut-être Capi à fond pour éviter qu'il puisse laisse spirituel, j'imagine. C'est combien de PA, le level 6, là, laisse spirituel? C'est 5 PA. Bon, bah, apparemment, il a pas envie. On préfère râle ce PA. Ouh, ça passe très bien, là, pour le moment. 6 PA, qui va, du coup, pouvoir ressusciter Jugovic sans problème. Ouais. Ah, c'est 6 PA, pardon. 6 PA, ouais. Bon, dans tous les cas, ça change rien. Il a quand même largement les PA. Il a même de quoi mettre une petite piqûre motivante. Ah ouais, la belle zone là sur tous les crackers là. On va le protéger avec un crapaud, on met le fouet. Voilà, le chrono loup. Ça va faire pas mal de dégâts ça. Les crackers qui par contre ouais ont un PA et l'autre il a 3 PA donc en fait ils peuvent même pas taper en fait, j'ai dit de la merde. Ils ont non, un. Les crackers peuvent pas taper. Et celui qui a le plus de PM, ah oui voilà, c'est bon, il s'en va donc c'est bon, il a la place. Il va pouvoir aller gêner la ligne de vue de Shoka, donc c'est pas si mauvais que ça, quoi. Parce qu'en plus, Hashirama, il est en picole, donc là, en plus en crit, donc il a quand même énormément de res actuellement. Effectivement. Oh, ça va faire un petit bien. Et la relance de l'euphorie malsaine. Ouais, ça comble en fait, un peu les... On en parlait tout à l'heure, en fait, c'est étonnant, le chasseur fou, quand il fait euphorie malsaine, on voit pas... En fait, il se les donne pas à lui. C'est pour ça que quand on clique dessus, on les voit pas. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je sais plus, c'est 6 PA, je crois, la relance, non, de Furoyu Malsen. Enfin, après, il faut évidemment qu'il la lance, mais... Ouais, ça doit être ça. Ok, on clean un peu le... On clean un peu le board du côté de Shoka, là, en tuant ces deux crackers avec des invocations. En plus, ça a des faiblesses R. Du côté du crackler, donc c'est très facile pour lui de les clean, même s'il n'est pas R. Et là, ça, autour de Jugovic, est-ce qu'il peut avoir une belle ligne de vue sur Eros et potentiellement le tuer? Parce qu'il a quand même 12 PA, hein, donc ça peut faire mal. Enfin, on va peut-être focus du coup FSA au final. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, en crit, ça fait mal hein, quand même. Est-ce qu'on peut faire d'autres? Est-ce qu'on a un œil de top? En vrai, il y a une belle zone là. Ouais, voilà. Ouais, on la met. Et du coup, ouais, Jugovic qui se fait raise.
pile au tour où il a la relance du tir puissant, donc c'est super. C'est un grand retour qu'il fait. Ouais, en plus, là, vu qu'ils ont terminé Daka, bah là, on a deux personnages du côté de. Du côté de Korupkakak qui peuvent jouer d'affilée, donc ça peut faire très très mal hein, à Bilby. Regardez, on a quand même. Il reste plus que Shoka hein, qui a toute sa vie. Alors que du côté de Bilby, pardon, bah il y a encore FSA qui a 900 PV et Ross qui en a 600. La belle zone là pour Scandalf. Ouais, Scandalf, du coup, est-ce qu'il va pouvoir réussir à terminer Eros? FSA se cache, derrière son ennemi. Je pense pas, mais il peut le debuff et vraiment le PA PM peut-être. PM en tout cas. Ouais. On va essayer de le debuff parce que. Ah, si, effectivement, il a une protection aveuglante. Donc, ouais, il le debuff, ouais. C'est bien joué. Il a 5 PA. Oh, bien joué. Et la retraite. Et ouais, parce que le truc, c'est que là, Bilby est bien paqué. Et c'est du coup ce Xel qui ne peut absolument rien faire. Il a la ligne de vue que sur Scandalf. Et c'est tout. Ouais, et encore, c'est pour mettre un ralentissement, quoi. Ouais, des gelures, aiguilles, voilà, mais ça fera pas le taf, quoi. Alors que du côté du Djokovic, ce qui est très cool, c'est qu'il va pouvoir faire des explos, là, s'il a envie. Bon, après, c'est sûr que explos, voilà, hein, c'est clairement un sort plutôt de PVM, hein, on va pas se mentir. Mais ici, ça peut-être faire un peu de dégâts sur tout le monde, hein. Capi, je sais pas, il va pas pouvoir faire grand-chose à part réinvoquer... certaines de ses invocations, évidemment. Ah si, on remarque, ouais, Griffe Spectrale, ouais, c'est vrai que Griffe Spectrale et Griffe Cinglante sont à distance, quand même, donc il va pouvoir faire quelques dégâts. Ouais, voilà. Hein. Ouais, c'est pas mauvais pour annoncer ça, de taper autant. Hein. Bah, surtout que là, on a FSA qui se retrouve plus bas en HP que son pote Eros. Là, ça devient compliqué. On va essayer de se debuff du côté de Shoka. Eh, ça passe pas. Malheureusement, hein. Ça passe pas. 8 PA pour le moment dans le vent. Et en vrai, même s'il refait, est-ce que ça va servir à quelque chose? Ouais, on a préféré botte de Pandore et maladresse. Pour éviter que. Maladresse, du coup, qui ne sert à rien. Bah ouais, j'avoue que là, ça. Ouais, oh, ça c'est joli par contre. La KOAT qui permet de briser la ligne de vue que Djokovic. Ouais, il peut se recul, c'est normal. Très joli. Et ça. Là, il a la relance de la punie, mais il est. Alors, 1, 2, 3, 4. S'il a la relance de la punie, il peut toucher Shoka, mais je pense que c'est pas très intéressant puisque. Bah, voilà, il a pas besoin. On préfère terminer ses cibles low HP. Ouais, Hashirama, il lui aussi a une petite zone. En plus, il peut se debuff s'il a envie, dans tous les cas. Et il avait 6 PM, je crois. Ouais, voilà, il va aller finir Eros. Hein. Ou alors, il va peut-être juste le. Ouais, il va le debuff, il va peut-être l'envoyer à Scandalf. Oh, moi, je l'aurais peut-être envoyé à Scandalf, hein. Il aurait pu le terminer, je pense. Ouais, je pense aussi, parce que du coup, il a le retour de la retraite, il peut pas bouger Scandalf. Bah, ouais, c'est ça. Et après, bon, je pense que ça devrait suffire quand même. Il a 7 PA encore. Ouais, c'est... Ah non, ça va être dur, hein, en fait. Hein. Ouais, je pense que le... Je pense qu'il y a eu une souillure un peu de trop, hein, du côté de Hashirama, ouais, là. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, donc, ouais clairement. Parce que là, il aurait pu lui mettre au corps à corps. Il aurait pu le mettre au corps à corps et faire deux coups de Kukura, et je pense que ça a passé, quoi. Oui, largement. Eros, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Il a 70 HP. En plus que Scandalf a mis 3 crit, donc il pouvait vraiment pas faire plus de dégâts que ça. Ouais. Les vols du temps qui passent enfin, mais malheureusement c'est un petit peu tard. Ah là, ce bon ralentissement là. Moins 2. Oh, 6 PA hein, pour Capi. Et je pense que ça suffira largement pour finir Eros. Hein. Il peut lui faire un coup de champ manique, même pas boosté, ça passe largement. Ouais, mais, même Gris Spectral. Gris Spectral, ça passe là. Clairement. Du coup, du côté de Korupkakak, on... Ah, on a été gourmand. Ouais. On a voulu sauver un PA et finalement, on en perd un. C'est ça. Après, en crit, ça passait, clairement, mais malheureusement, ça n'a pas crit. Bon, du coup, Shoka, le pauvre Renutrof, là, qui va pas pouvoir faire grand-chose. Il est en 1v4, le pauvre.
Bah ouais. Il n'y a rien pour refaire, hein. Il n'y a aucune cible low en face, à part Scandalf, mais il a quand même encore 2000 HP. Ouais, et Hugo, mais sauf qu'on a Capi qui peut heal s'il veut. Par contre, du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même réussi à tuer Hugo. Du coup, ça fait perdre 2 points à l'équipe Corrupt Cac-Cac. C'est vrai. Donc, au lieu de gagner 8 points, ils gagnent 6 points. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, du coup, on va essayer de focus Scandalf. Hein. Mais Scandalf qui, d'ailleurs, a 15 PA, donc il va pouvoir faire 3 coups de Kukrikura, là, au prochain tour. Et il a pas beaucoup de res, hein, Shoka, en neutre. Ouah, les bonnes destructrices, là. On n'a pas le retour de la punitive, là? Non. Il l'avait avant, du coup, elle est plus chargée, là. Ah, oui, d'accord, regarde. Et puis là, je pense que tout le monde va bourriner, hein. Ouais, voilà, on va heal, ça, c'est bien joué. On sécurise du ouais, côté. C'est bien un bâton. Hein. Ouais, c'est un bâton, mais je sais pas lequel. Ah, la petite corrupte en plus, ça c'est bien joué. Ouais, on se booste. Là, Shoka, il va juste assister à sa propre mort, sans pouvoir rien y faire. Ah, voilà, Racine et Kwan, c'est ça. Je crois que Kosoke, il a raison. C'est ça. Ça me dit un truc. Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. 100 à 130 vita, 26 à 40 intel, 4 à 5 CC, 2 à 3 dommages. 16 à 20% de dégâts et 151 à 200 d'initiative. Donc c'est un cac qui, malgré qu'il heal, est quand même très intéressant hein, en termes de stats. Hein. Ouais, et du coup on va mettre des bons coups de champ panique là sur Shoka, on va essayer de le tuer. Je trouve ça quand même, alors je veux pas revenir sur le règlement du tournoi, mais je trouve ça quand même dommage que le fait de tuer des membres de l'équipe qui gagne, ça leur enlève juste des points et donne pas de points à l'équipe qui perd. Je trouve aussi. Après, bon, c'est le tournoi qui est comme ça, hein, mais c'est vrai que moi, j'aurais trouvé ça plus logique aussi. Parce que du coup, ça aurait peut-être permis trop de, peut-être de tie-break, ce genre de choses, tu vois. Mais c'est vrai que ça aurait été plus logique, hein, en termes de... Un peu comme, comment ça s'appelle j'allais dire en Ligue 1, mais pas du tout, en fait. Au foot, c'est seulement quand t'as un match nul que tu gagnes quand même un point. Bah, au niveau du goal average, si. Les bons coups de poing enflammés. Et du coup, voilà, l'ennu qui va tuer l'ennu. Et là. Alors, mais quoi il va le tuer? Est-ce qu'il invoque une pelle derrière pour le libérer? Il a plein de façons de le tuer là. Ah, moi je la ferai à la régulière, hein. Je mets des petits flamiches. Non, il a pas envie de la faire à la régulière. Hein. Ouais, bah la finale aussi. Si. Et bah c'est une victoire de Corrupt Cac-Cac les amis. Donc 3-0 normalement puisque Jugovic a été ressuscité par Capi, donc logiquement il compte comme un mort. Hein. Ouais, il gagne du coup 6 points normalement au classement. Donc il passerait de 14 points à 20 points. Il dépasserait voilà. Du coup Esquet Ouyang. Qui est à 16 points, mais Esquet Ouyang joue juste après eux, là, à 22h, contre la team... Je dis pas de bêtises, hein, on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. Et ils jouent donc... Alors, contre Lubulul, voilà, Lubulul. Contre Lubulul, effectivement. Donc Lubulul, dans... eux, par contre, qui ont 0 points, donc ils ont fait 2 défaites. Et malheureusement, pour eux, ils tombent contre l'équipe qui est la plus en forme du tournoi. Oui, pour l'instant, Esquet Ouyang qui est sur un score parfait, hein, vu que ils ont gagné leurs 2 premiers matchs en perdant personne, donc ils ont un total de 16 points. Là, ils se dirigent vers le 3e match où ils affrontent Lubulul, qui est dernier du classement. Donc c'est vrai que pour eux, ça c'est un peu les favoris contre les plus bas de la ligue. Donc on verra.